Bonjour à toutes et tous. Écoutez, aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion d'annoncer un événement, celui du 26 avril prochain, qui concerne les Duo Day. Les Duo Day, ce sont en fait des journées visant l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous avons un énorme enjeu sur l'autisme, un enjeu qui en fait vient rattraper des années de retard en France. Nous avons plus de 30 ans de retard sur l'autisme en France, sur la recherche, sur l'intégration, l'inclusion scolaire, sur l'accès aux soins des personnes atteintes de troubles autistiques, pour éviter notamment les surhandicaps, pour aller plus tôt dans le diagnostic et pour accompagner dans le parcours de vie chacune de ces personnes, de manière à ce que tout le parcours de vie qu'elles auront évite les ruptures, évite les freins d'accès à des structures et donc permette à chacun de vivre dans une société qui s'ouvre à eux. On a évidemment aussi un enjeu qui est celui de soutenir les accompagnants, de soutenir les familles, et cet enjeu-là, il est majeur en France. Plus globalement, les aidants doivent pouvoir effectivement trouver leur place, et nous avons un énorme enjeu à ce sujet sur l'autisme également. Donc cette stratégie autisme qui a été annoncée le 6 avril dernier prend toute sa place évidemment aujourd'hui dans nos territoires pour que nous puissions faire leur place, inclure un maximum de personnes atteintes de troubles autistiques dans la vie ordinaire. Et souvent ça passe par de petites choses, par de petits aménagements qui permettent à chacun de trouver sa place et d'être bien dans cette société qui s'ouvre à eux. Donc cette journée de sensibilisation, elle vise à montrer toute la portée des facteurs environnementaux et l'ajustement qu'on peut faire au quotidien pour inclure un plus grand nombre. Par cette journée, par le 26 avril, par ces Duo Day que nous souhaitons organiser partout sur le territoire, nous voulons changer la donne. Chaque professionnel sur cette journée Duo Day est encouragé à accueillir une personne en situation de handicap dans son environnement professionnel, sur son métier, sur un métier qu'il connaît évidemment, pour lui faire découvrir finalement toutes les particularités de cet environnement professionnel et peut-être créer des vocations chez les personnes en situation de handicap. Nous, parlementaires, nous nous engageons dans cette journée qui pour nous a beaucoup d'importance, celle de l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous allons donc, pour la plupart d'entre nous, accueillir une personne en situation de handicap sur cette journée, et un certain nombre de parlementaires vont organiser des événements sur leur circonscription pour sensibiliser à la question du handicap et sensibiliser à l'inclusion de chacun dans notre société. Rendez-vous le 26 avril pour le Duo Day.